Good morning, allez-y, d'année sur aujourd'hui le Nishmat, me rebiche mal, men shalom, mazal, men shalom, minim, ben mazal, ainsi que deux fois, très fan, salom, ben chamali, mais remet, trasita, dov, ben yudit, et sarabat, ben tirouk, et betor, chakol, israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions, maserhet, choulin, perektet, Mishnah, hey, kulit hamet, ve kulit amugdashim, anoga abaen, ben stumim, ben ekuvim, tamé, kulit nevela, ve kulit hacheretz, anoga abaen, stumim, teorim, ekuvim, kol sheou, מתאמין במגע, מנעין שאף במסע, תמוד לומר הנוגע והנושא. עת שבא לכלל מגע, בא לכלל מסע. לא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע. On continue à parler dans notre Mishnah des lois de Touma Vetahara, les lois de pureté et d'impureté, qu'on retrouve autour des cadavres d'animaux. D'accord ? C'est le 9e Pérec de Khoulin, on parle que de ça. C'est un peu délicat, mais avec le temps, bon, c'est à la 5e Mishnah du Pérec qu'on commence à s'y faire. Donc, tenez bon, à Mishnah Chet, on a fini, Bezrat Hashem. D'accord ? En tout cas, pour le moment, donc, on va parler dans notre Mishnah des ossements, des os. Des os, des cadavres, qu'on retrouve en fait dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines d'impureté. Il y a un homme, lorsqu'il meurt, il véhicule une impureté, c'est la Toumat Met. Il y a les mammifères qui vont mourir, ils vont véhiculer une Toumat Nevela. S'il n'y a pas eu de Shrita, il véhicule une Toumat Nevela, une Toumat de cadavre d'animal. Il y a encore la tomata shratzim. Un sheretz, c'est les rampants, spécifiquement 8 rampants que la Torah elle a évoqués. À Koach, vers Anaka, vers Leta, vers Chomet, je ne sais plus, il y en a 8 explicités par la Torah. On en a évoqué quelques-uns dans la Mishnah, là-haut, dans la Mishnah Bet. On en avait parlé. Il y a, par exemple, on va parler, à titre d'exemple, on va parler du rat. D'accord ? Ou encore, ça peut être un lézard, c'est le même principe. Lui aussi, il véhicule une impureté qui n'est pas la même impureté que les cadavres d'animaux. C'est un domaine différent, il y a des règles différentes. Maintenant, on va parler donc des os de tous ces domaines d'impureté. Quel type d'impureté véhicule-t-il ? Plutôt, excusez-moi. Ouais, les os, de quelle manière les os vont-ils rendre impurs ? Et j'explique le problème. Il y a, chez l'homme, lorsque l'homme meurt, donc il véhicule une tomate maître. Maintenant, même si on a même un morceau de sa chair qui se retrouve dans un endroit, par exemple, un kazaït de sa chair, ça véhicule une impureté de tomate-met. Mais il y a même ses os qui véhiculent une impureté, parce que l'os, la Torah, elle a dit « Obeetzem Adam ». Il y a un passage comme le Farash qui nous dit « Obeetzem Adam », un os d'un homme, même s'il n'y a pas de chair, même s'il n'y a pas de moelle à l'intérieur. À la différence de la tomate nevela et tomate ashratim, l'impureté des cadavres d'animaux et des shratim, donc des rampants, que eux, leurs os ne rendent pas impurs. Cependant, dans les os, selon la taille de l'os, il y a de la moelle dedans. La moelle, c'est un statut de viande, et ça rend impur. Et de ce fait, lorsqu'on va manipuler l'os, eh bien, on est en train de manipuler, quelque part, la viande, la moelle qui se trouve à l'intérieur. Et donc, dans ce cas-là, on peut devenir impur, mais selon certaines règles qui vont être évoquées dans notre Mishnah Bezrat Hashem. Et on commence tout de suite, kulit amet. Kulit, c'est l'os du fémur, le pied, il a 3 os, d'accord, tout le pied, il a 3 parties. La partie de l'os du haut, donc depuis le bassin jusqu'au genou, c'est l'os du fémur. On a choisi à titre d'exemple cet os parce que c'est un os gros, où il y a dedans plein de moelle. On a cherché à pouvoir parler d'un os qui a de la moelle à l'intérieur, il y en a plein même. Donc on a parlé de la kulit amet, le fémur d'un homme mort, et kulit amugdashin, le fémur d'un animal qui était kadosh, qui était un korban, et que ce korban, on ne peut plus le consommer parce qu'il a eu un problème de pigoul notar tamer. C'est un petit peu annexe, je préfère le laisser de côté, et on reviendra après à la fin de la Mishnah, d'accord ? Ce sera plus facile pour expliquer, parce que c'est vraiment annexe, ça va nous faire entrer dans trop de détails, c'est un peu dommage d'en parler tout de suite. Pour le moment, on se contente de kulit amet, donc le fémur d'un homme mort, et aussi le fémur des mugdashim qui ont eu un problème, ces os-là véhiculent une impureté. Intrinsèquement, pas à cause de la viande, de la moelle qui se trouve à l'intérieur, mais parce que l'os y rend impur. De ce fait, Anogea Baen, celui qui va entrer en contact, qui va le toucher, Ben Stumim, Ben Ekuvim, que l'os soit fermé ou que l'os soit ouvert, c'est-à-dire si on a cassé l'os, qu'on peut maintenant toucher la moelle, ou que l'os soit entièrement fermé, qu'on ne peut pas toucher la moelle qui se trouve à l'intérieur, dans tous les cas, Tamé, on sera impur. Par contre, Kulit Nevela ve Kulit Hasheret, par contre, si c'est un fémur d'une Nevela, d'un animal, d'une vache morte sans shrita, ou encore vekulit hacheretz, ou le fémur d'un sheretz, d'un rampant, un rat par exemple, il y a un os d'un rampant devant nous,
Et on veut savoir ce qu'on en devient impur. Si on touche l'os en tant que tel, on n'est pas impur en tout. C'est que si on touche la chair. La Torah dit à Noga Beniv Latam, ceux qui ont touché à leur chair. Donc on déduit là-bas, que, comme ça, la Torah déduit, qu'on parle que c'est uniquement la chair et pas les os. Eh bien, malgré tout, Anoga Ben Stumim Théorim, celui qui va toucher dans l'os, alors que l'os il était hermétiquement fermé, il n'a jamais été cassé, il n'a pas été cassé en deux. Tao Théorim, on est pur, cependant. Nekuvim, Kolochehu, s'ils ont même ne serait-ce qu'un petit trou, c'est même pas la peine qu'ils soient cassés en deux, ni même une fissure, mais juste un petit trou qu'on peut par là faire entrer quelque chose, même un poil, même un cheveu, le faire entrer et le toucher à l'intérieur, comme ça c'est expliqué, c'était dans le Porta Noa, a fait le Kechot Aseara, comme la taille de l'épaisseur d'un cheveu, qu'on peut rentrer dans ce trou, en tout cas, puisqu'on peut entrer en contact avec la moelle qui se trouve à l'intérieur, et la moelle, ça rend impur, de ce fait, quand tu vas toucher l'os, tu vas devenir impur. Nekuvin kol shehu, metamin bemaga, ils vont rendre impur bemaga avec le contact même de l'os, sans toucher la viande. Minain sheaf bemasa, et d'où apprend-on que ça rend impur même lorsqu'on va le déplacer en le portant? Alors la Mishnah va nous déduire, tel de l'omar noga veano, c'est celui qui va toucher ou celui qui va déplacer. On fait un petit peu le point de tout ce qu'on a dit avant de continuer le sujet de la Mishnah. Et, non, vous savez quoi, je vais finir la phrase de la Mishnah d'abord, comme ça après on s'acquittait des mots et puis on va tout ensuite synthétiser. Et Sheba l'Ikhlal Maga, celui qui va entrer dans les règles, dans le domaine de ce qui rend impur par le contact, Ba l'Ikhlal Masa, alors il va devenir impur en le déplaçant. Lo Ba l'Ikhlal Maga, s'il ne peut pas entrer dans le domaine de ceux qui rendent impur par le contact, eh bien l'obanichlal massa, il ne peut pas en rendre impur lorsqu'on va le déplacer. Et j'explique, c'est très simple. Bon, l'histoire du mort, on a compris. L'homme mort, on a compris, il rend impur, et même l'os, il rend impur, même s'il n'y a pas de moelle à l'intérieur. Ça, c'est net, c'est bien clair. Mugdashim, on laisse pour la fin. On s'intéresse maintenant à la suite de la Mishnah. On parle des cadavres de mammifères ou du cadavre du Sheretz. Donc des rampants qui, eux, leurs os ne véhiculent pas d'impureté en tant que telle, que leur chair. Mais la moelle qui se trouve dans l'os, elle peut rendre impur. Alors là, on a un problème technique. C'est que si je prends un os et je vais le déplacer, eh bien, en théorie, je suis en train de déplacer de la viande. Or, comme ce qu'on avait déjà évoqué dans la mission précédente, lorsqu'on déplace, même si on n'est pas en contact direct avec la viande, avec la chair, le simple fait de déplacer, si c'est posé sur un plateau, je le pousse avec un bâton en bois par exemple, je deviens pur par le simple, ce qu'on appelle la tomate massa, par le simple fait que je le déplace. Donc si je deviens impur par le fait que je le déplace, alors là, lorsque je prends un os même fermé, alors je suis en train de véhiculer de la moelle, de quelque chose qui devrait me rendre impur en théorie. Malgré tout, on a deux règles. Une première règle tout d'abord, que lorsque la viande, tu ne peux pas la toucher, tu n'as aucun moyen de la toucher parce qu'elle est hermétiquement enfermée quelque part, puisqu'il y a de la chair qui ne peut pas rendre impure par contact, elle ne rendra pas impure non plus par le fait que tu déplaces ce qu'on appelle la tomate massa. C'est ce qui est évoqué dans la règle, la dernière phrase de la Mishnah. Et che balichlal maga, balichlal massa. Lo balichlal maga, lo balichlal massa. Celui qui peut rendre impur par le maga, par le contact, alors il va rendre impur par le fait que tu le déplaces. Mais s'il ne peut pas rendre impur en par contact, parce qu'il est hermétiquement fermé dans l'os, la moelle elle est entièrement fermée dans l'os, qui n'a pas été cassée, qui n'a pas été fêlée, eh bien, dans ce cas-là, tu ne vas pas devenir impur lorsque tu vas le déplacer. Ça, c'est premièrement. Il y a quand même un deuxième point qu'il faut préciser, c'est que, il y a une autre règle, que en général, tout ce qui est chomer, la davar, tout ce qui a une protection de la viande, eh bien, elle est considérée comme partie intégrante de la viande. C'est-à-dire, je m'explique. On avait déjà évoqué le principe dans la Mishnah, n'ayez pas peur des mots. On avait déjà dit que si on a un morceau de viande, de ce que vous voulez, de nevela, qui est encore rattaché avec sa peau, la peau elle-même ne rend pas impure. Mais lorsque la peau, elle se trouve en contact encore avec, naturellement, avec la viande, eh bien, en touchant la peau, je deviens impur. Pourquoi? Parce que la peau, elle a un statut de chomer, de gardien, littéralement, de protection. Donc elle s'annule complètement, elle est considérée comme une partie intégrante de la viande, et donc on entre en contact avec elle, selon ce principe. L'os aussi, il est chomer, la bassard. L'os aussi, c'est une protection pour la moelle qui se trouve à l'intérieur. Mais malgré tout, on a quand même une règle, que selon le même principe, la protection ne rend impur
que si j'ai moyen de devenir impur par la chose elle-même. Mais si, c'est le même principe en fait que le déplacement du Numasa. Selon la même idée, ça va porter tout ça dans le Barthénora. Vafalgav de Shomer Machis ou Motsituma, Animile Bedavar Shevchar Liga Betuma Atzma. Vafilolonaga Baila de Shomer. Aval Hecha de Iefchar Liga Betuma Atzma, En a Shomer Matame. Dans un cas, ça veut dire en fait de manière générale, on peut retenir comme ça l'idée, c'est que si, la viande, elle rend la viande de la chair, la viande, la moelle aussi, des chérettes et de la nevela, elle rend impure lorsque je la touche. Et à partir du moment où je peux la toucher, devenir impure, alors on va voir toute une sorte, tout un autre goût, un autre domaine de choses qui vont me rendre impure à cause de la chair, même si je ne la touche pas. Par exemple, la déplacer, ou encore toucher sa protection naturelle. Mais si la viande est hermétiquement enfermée dans l'os, alors je ne peux pas la toucher. J'ai aucun moyen de rentrer en contact avec elle directement pour la toucher. De ce fait, elle ne va me rendre impure ni lorsque je vais la déplacer, ni lorsque je vais toucher sa protection qui est l'os. Maintenant, vous avez compris pourquoi un petit trou va tout changer. Un petit trou, dès qu'il va y avoir un os, vous allez prendre un os qui est hermétiquement fermé, mais après on va voir, vous allez prendre une aiguille, vous allez la planter et avoir un petit trou à l'intérieur. Est-ce que maintenant, à cause de ce petit trou, on a moyen de devenir impur à cause de la moelle qui sera à l'intérieur? Et la réponse, elle sera oui. Je peux me prendre un cheveu et je me fais comme ça, il y a un petit pic, et maintenant je fais entrer mon cheveu jusqu'à dans le trou qui va se trouver dans l'os. Si je le fais, matériellement, je suis apte à même à le faire. J'ai la possibilité et j'ai les moyens de me rendre impur par la viande qui est à l'intérieur. Puisque la viande, elle peut te rendre impur, tu peux avoir un contact direct avec elle. Alors dans ce cas-là, on a gagné tout le paquet. Que maintenant, quand on va déplacer l'os, on va devenir impur parce qu'on est en train de déplacer une viande qui est capable de rendre impur par contact. Et aussi, je vais tout simplement, lorsque je vais toucher l'os, je vais devenir impur parce que maintenant, l'os, il protège une viande que la viande, elle est capable de rendre impure par contact. De ce fait, le contact avec la protection aussi va me rendre impur. C'est clair, c'est le principe de la Mishnah. Baruch HaShem, on a fini la Mishnah. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Salam.